Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un coffret, le coffret sur les mudras. C'est un coffret qui est édité aux éditions Granger et c'est un coffret qui va vous montrer à travers de grandes cartes les différentes positions des doigts que vous pouvez faire au moment du yoga, de la méditation ou à certains moments dans votre journée et qui vont favoriser la circulation énergétique dans votre corps et surtout capter certaines intentions. Alors là, désolée, j'utilise mes mots énergétiques. Par exemple, certains mudras vont vous permettre de capter des énergies de vitalité, d'autres d'amour, d'autres de santé. Et on va regarder un petit peu tout ça avec ce coffret. Moi, je trouve que c'est une pratique qui est très sympa. Je la pratique beaucoup plutôt à la fin de mes méditations ou bien au début. Je garde un mouvement de doigts et je pratique en fait ma méditation en fonction de l'énergie, en fonction de ce que j'essaye de capter aussi à travers ces mouvements et à travers cette position de main. Ça peut être intéressant aussi de terminer une méditation et ça c'est voilà, on peut faire du début ou à la fin et ça c'est plus ma pratique personnelle, hein. Donc là je vous délivre mes petits tips à moi, mais bien évidemment il y a plein d'autres façons de le faire. Mais justement, après une méditation, avoir réfléchi sur un sujet ou après simplement avoir fait beaucoup de respiration, on peut terminer à travers les mudras pour capter une énergie que l'on souhaite à la fin de sa méditation. De cette façon, vous pourrez, à travers ce yoga des mains, des doigts, faire circuler dans votre corps les énergies que vous souhaitez, les énergies dynamisantes, les énergies apaisantes, d'amour, d'action. Et à travers cette circulation énergétique, aller directement toucher votre cerveau. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Je vais vous montrer le coffret que je trouve vraiment très bien fait et très sympa. Et on va bien voir justement les mouvements, les différents mouvements des doigts. Voici notre coffret sur les mudras. C'est un très joli coffret. J'espère que vous voyez la façon, les arabesques dorées sur ce jaune. Et c'est un coffret qui est édité aux éditions Granger. Il est à 28 euros. Je vous mets la référence comme d'habitude juste en dessous en barre d'infos, la référence pour savoir où trouver aussi ce coffret. Il y a à l'intérieur de ce coffret un livret, un petit livret explicatif. Vous retrouvez aussi les différentes catégories des cartes de mudra, mais ça je vais vous les montrer plus en détail en ouvrant le coffret. Et une phrase de méditation et une peinture inspirante associée à chaque mudra. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qui est écrit au dos du coffret? Grâce au mudra, nos doigts agissent comme des baguettes magiques qui relient notre corps et notre esprit et activent le flux énergétique au sein de notre organisme, y compris le cerveau. Ariane Plekladi Sali, enseignante de yoga et de méditation, a sélectionné pour vous 58 mudras qui vous permettront de vous connecter avec la sagesse de la vie, retrouver l'harmonie et la joie de vivre, soutenir un processus de guérison ou évacuer un surplus de tension. C'est un coffret qui s'ouvre comme ceci, je trouve ça assez chouette, hein. Surtout que les cartes sont grandes, ça permet hop, de les faire glisser et de les récupérer. Alors on a le coffret, on a ici le livret. C'est un livret qui comporte peu de pages, mais parce que vous avez aussi beaucoup de choses qui sont écrites sur les cartes. Alors, ici, dans l'introduction, Ariane, justement, raconte sa pratique aussi des mudras à travers sa pratique de yoga. Vous voyez d'ailleurs les différentes couleurs de cartes que l'on a ici. Donc, le violet, le vert, le bleu et le rouge, qui, à chaque fois, est associé le bleu, énergie et volonté, amour et relation pour le rouge, santé pour le vert et sagesse et spiritualité pour le violet. Alors, on a la définition de qu'est-ce que les mudras. Ce sont des positions de doigts qui activent la circulation énergétique dans le corps et ont une influence sur le cerveau. Ce terme vient du sanskrit mud, qui signifie, alors je le prononce sans doute très mal,
qui signifie joie, félicité, bonheur, et ra qui signifie déclencher, ou encore dra qui signifie dissolution. Donc qui déclenche la joie et dissout ce qui lui fait obstacle. Mudra signifie aussi sceau et signe en latin. Un sceau confirme que quelque chose ou est le signal de quelque chose. Donc comment agissent-ils? Donc ça, je vous laisserai le découvrir. Et comment pratiquer? Alors ici, elle vous parle de... J'aime bien parce que justement, je vais me permettre de le lire parce que je ne veux pas déformer ces mots. Elle dit « Prenez conscience de la valeur de votre vie, ici et maintenant, entre vos mains. » Je trouve cette phrase vraiment très très belle. « Prenez conscience de la valeur de votre vie, ici et maintenant, entre vos mains. » Chérissez vos mains, honorez-les, remerciez-les pour tout ce qu'elles font et sont. Unissez avec attention votre geste et votre intention afin de ressentir l'émotion qui correspond. Dans toutes les traditions, les mudras sont des gestes sacrés. Il en existe des multitudes, autant pour améliorer notre état physique que notre vie émotionnelle, canaliser notre mental, que pour nous ouvrir à d'autres sphères. Alors dans cette partie du livret, l'auteur nous propose justement un guide un petit peu pour pratiquer avec ses cartes. Par exemple, elle propose ici des exercices préparatoires comme saluer vos mains avec amour, caresser, masser vos mains et vos poignets, onduler les poignets, surfer sur les vagues de la vie avec habileté et plaisir, secouer les mains et chaque doigt séparément, frottez-les l'un contre l'autre. Vous voyez qu'ici c'est pour se reconnecter aux sensations aussi de votre main, de vos mains, de vos doigts, des positions que vous allez pratiquer. Et on a vraiment cette notion de reconnexion en fait avec ses mains, que je trouve intéressant parce que on n'a pas l'habitude, on a l'habitude un petit peu de les avoir comme des outils en yoga ou dans d'autres postures. On va peut-être faire attention plus à la position de certains, du dos, de la position des jambes, ou placer le souffle, donc plutôt ce côté respiration avec le ventre, ou la respiration alternée entre aussi le nez, la bouche. Mais à part avec les mudras, on n'a pas on a moins en fait cette attention qui va se porter sur les mains. Donc ici on est vraiment dans cette idée de porter son attention sur les mains. Voilà, donc vous avez une petite conclusion, des sources et deux autres coffrets, l'un sur le yoga et sur le qigong, qui reprennent justement ce même système avec des grandes boîtes comme ça qui s'ouvrent et des fiches à l'intérieur. Les index des cartes, donc vous voyez ici tout est bien repris. On a les cartes en rouge, amour et relations, en bleu, énergie et volonté, en vert, la santé et la sagesse et la spiritualité, en violet. Voilà. Voilà, donc ce qui est indiqué ici, c'est par exemple choisissez un mudra selon vos besoins ou laissez-vous être attiré par une carte côté peinture, ou encore tirez une carte au hasard. J'ai volontairement nommé les mudras en français, je trouve que le sens est ainsi plus accessible. Alors on va les regarder ensemble, ces cartes. Alors on a le mudra de l'abeille, et vous voyez qu'au dos, alors je vous montre le dos, quand elle vous parlait d'être attiré par un dessin, ce sont les dessins qui sont au dos. Et vous avez une petite phrase, j'avance en toute confiance sur mon chemin, qui correspond bien sûr au mudra qui est de l'autre côté de la carte. Alors le mudra de l'abeille, on a bien ici les indications avec les photos sur chaque carte. Elles sont très agréables d'ailleurs à toucher, c'est des cartes qui glissent bien, elles sont brillantes, on sent qu'elles ne vont pas s'abîmer, bémer si vous les emportez avec vous dans votre sac ou dans votre, oui pourquoi pas, dans votre sac de yoga. On a ici la façon dont exécuter le mouvement, croisez les doigts, unissez et tendez les pouces, les auriculaires et les annulaires. Remplacez chaque autocritique par un compliment. Et vous voyez derrière, on a un dessin. Je décide de m'aimer et d'aider ma vie. La vie me porte et m'apporte ce dont j'ai besoin. Je suis unique et de grande valeur.
Voilà, donc on a à chaque fois. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien fait. Je le trouve très complet. Alors, bien sûr, pour rentrer un petit peu plus dans qu'est-ce que l'étude un petit peu des mudras, il faudra aller chercher dans un livre spécialisé. Je crois que je vous en avais présenté il y a 2 ans. Parce que j'en avais emprunté pas mal à la bibliothèque. Je me suis vraiment passionnée pour les mudras quand je pratiquais le yoga, parce que je trouvais que c'était vraiment un bon accompagnement. Ça permettait vraiment de se poser, d'être dans l'action jusqu'au bout des doigts, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vraiment la sensation que ça me donnait. Voilà, donc je ne vais pas tous vous les passer. Je vous laisserai découvrir le coffret par vous-même si vous le souhaitez. J'aime beaucoup ces illustrations aussi, je les trouve simples et du coup ça attire directement l'œil aussi. Je vous mets la référence comme d'habitude juste en dessous en barre d'infos. Là par exemple le mudra de l'apaisement et de la plénitude, mudra de la créativité, de l'harmonie intérieure, de la foi et de l'espérance, de l'illumination, de la prière. Et si je vous en reprends quelques-uns justement sur la santé, par exemple on a le mudra de la verticalité, de la justesse, du lâcher prise, le mudra du lion pour la gorge, la vision, la circulation du flux énergétique, le courage de se positionner, le mudra du rétablissement pour soutenir le processus de réparation du corps physique, le mudra de l'intégration pour soutenir tous les aspects de la digestion physique et émotionnelle et lâcher ce qui doit l'être. Le mudra de l'expansion pour soulager les maux de tête. Alors celui-ci va faire plaisir, va intéresser nombreuses et nombreux d'entre vous. Voilà, donc, et celui-ci par exemple, le mudra de l'écoulement pour lutter contre le stress. Voilà, donc vous retrouvez pas mal de cartes justement pour vous accompagner dans votre cheminement, aller encore plus loin dans vos postures de méditation ou de yoga. J'espère que ce coffret vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et prenez bien soin de vous. Bye bye!